bien, salut à tous, c'est Léo. On se retrouve pour une nouvelle rando, une nouvelle vidéo rando. Cette fois-ci, on est au cœur du Vercors pour un trek sur 2 jours. Il y a à peu près 26 km avec 1200 de D+. C'est pas énorme du tout, mais on va dire que pour attaquer la saison, c'est pas mal. Mon sac est ici. Volontairement, j'ai pris un petit peu moins d'eau parce que j'ai investi dans une gourde filtrante. Donc, j'essaierai de filtrer mon eau directement sur le parcours. Voilà, et ben je vais fermer ma voiture et je vais partir. Vous allez voir, c'est très très beau. Je vais sur les plateaux d'Ambel pour ceux qui connaissent. Et ceux qui ne connaissent pas, ben, vous allez le découvrir. C'est un très 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 bel endroit dans lequel je n'ai jamais été, mais j'ai vu les photos, j'ai vu quelques vidéos, mais pas trop pour pas trop me spoil. Et ça avait l'air vraiment exceptionnel. Donc écoutez les amis, c'est parti. Je suis parti depuis vraiment 3 minutes. Je viens de tomber sur une plante que j'ai étudiée, sur laquelle je suis jamais tombé. On appelle ça l'ail des ours. En général, quand on tombe sur un seul pied, il y en a énormément. Il y en a là, il y en a là-bas au fond aussi. Je sais pas si vous arrivez à voir avec le focus. Il y en a même un petit peu en face. Alors l'ail des ours, c'est quoi? C'est une plante comestible. C'est une plante qui ressemble extrêmement au muguet. Pas mal d'intoxication du moins sur... parce que le muguet est ultra toxique. Sur l'ingestion de muguet. Et en fait, comment on reconnaît l'ail des ours? C'est par rapport à la feuille de muguet, après il faut avoir l'habitude d'en voir. En fait, on peut voir que le haut de la feuille est brillant, et le dessous de la feuille ne l'est absolument pas. Le muguet, c'est exactement l'inverse. C'est la même forme de feuille, exactement pareil, sauf que le dessus est mat, et l'arrière est brillant. Et là, on peut voir que c'est l'inverse, donc ça, c'est de l'ail des ours. Et puis si on en récolte un petit peu, on va venir l'écraser, et puis après, on va venir sentir, en fait. Et ça s'appelle l'ail des ours, parce que ça sent, alors, pas forcément l'ail, et ça sent surtout l'oignon. Pour ceux qui ont déjà goûté de l'oignon sauvage, ça a exactement la même odeur. Alors voilà, faut bien l'écraser. Des fois, il se peut que ça sente un petit peu dans l'air, un petit peu l'oignon. Le mieux, c'est de l'écraser et d'être sûr. Et après ça, cette plante, vous pouvez la manger sans aucun risque. Alors après, le mieux, c'est nettoyer les feuilles, bien évidemment, parce que là, c'est vraiment à portée du sol. Donc le mieux, c'est vraiment de toujours nettoyer les échantillons que vous pourriez prélever. Donc là, pour vous dire le parcours que je vais faire aujourd'hui, sachant que c'est une boucle de 26 km. Je sais que sur le chemin il y a pas mal de refuges, donc je vais pouvoir m'arrêter à 2-3 endroits. Et au bout de à peu près 17 km, il y a le refuge de Tubonnet. Si je me trompe pas, je crois que c'est Tubonnet, il y en a plusieurs, mais je crois que c'est Tubonnet. Et c'est le refuge dans lequel je vais me placer. Donc je sais pas si je me mets dans le refuge, à l'extérieur. Très honnêtement, j'aimerais mieux être à l'extérieur, pas être à l'intérieur, enfin... Il fait pas assez froid pour se mettre en intérieur en fait. Peut-être que je dirais totalement l'inverse tout à l'heure. Hein. Là j'ai vraiment beaucoup de dénivelé à monter. Je monte dans les 1500, presque 1600. Dès le départ là ça va me réveiller. Et tout le reste sera à peu près tranquille. Donc je suis à peu près bien quoi. L'objectif, c'est ce que vous voyez en haut là. Voilà, quand je vous dis que quand vous trouvez une seule aille des ours, en réalité vous en trouvez des milliers. La forêt est complètement recouverte d'ailes des ours. Alors l'aille des ours, si jamais vous en voulez, prélevez une plante, vous la plantez chez vous, voilà ce qui vous attend après. Le truc prolifère, mais c'est incroyable. C'est particulièrement physique, là je vous avoue que j'ai pas vraiment filmé parce que poser le trépied, le machin, c'est quand même un enfer. Là je commence le dur, parce que là c'était vraiment le mode facile, et là ça va vraiment être le dur, où là ça va être chemin très très escarpé avec beaucoup de montées. Bon alors là je suis sur un chemin hors carte, donc on voit que c'est beaucoup plus compliqué de progresser parce que faut réussir à trouver le sentier en fait, c'est la plus grande difficulté. Qui tombe, les bâtons ils tombent, on est plus à ça près. Je suis en eau là, je sais pas si ça se voit, si ça se voit, on voit la marque là, on voit toutes les marques. Après même le dos là, je sens que je suis
trempé. Malheureusement, je peux pas voir. Ah ouais, ouais. Je suis bien trempé, ouais. Allez, on y va. J'ai mis la caméra un petit peu de côté pour pouvoir me concentrer sur l'ascension. Je suis bien bien monté. Là, il y a un parking, il y a pas mal de gens garés. Moi, je viens de tout en bas. Là, on voit qu'il y a un petit mont là. Je crois que c'est celui-là que je vais devoir monter juste après. C'est incroyable, c'est magnifique. Et encore, j'ai pas vu sur vraiment toute la vallée quoi. Là, dans quelques minutes, je devrais avoir la vue. Ah, ça va être magnifique. C'est un mur. Là, ça donne pas très envie de tomber. Je reviens d'en bas. C'est. Regardez-moi ça, sérieux. Les paysages sont exceptionnels. De la trop calme ici pour vous montrer ce que je vais manger ce midi. Alors ça va être très simple, moi je vais au plus simple, c'est de la semoule en fait. Donc là il y a des portions de 50 grammes à chaque fois. Là je vais clairement pas manger 50 grammes aujourd'hui, il fait tellement chaud, j'ai pas vraiment faim. Ça c'est le couvercle de ma popote, vu que je sais que je vais pas manger beaucoup. Alors je vais pas en mettre énormément comme je vous dis, j'ai vraiment pas super faim. Je sais pas si vous allez voir, mais je vais m'y mettre avec un petit peu d'eau. Alors le problème c'est que je vais perdre du temps parce qu'avec de l'eau chaude, la semoule boit beaucoup plus. Mais bon, tant pis. Et je vais laisser gonfler tout simplement. Alors là, avec ma semoule, j'ai mis un petit peu trop d'eau. Ouais, j'ai pas l'habitude de mettre aussi peu de semoule. J'ai mis un petit peu de bouillon. Alors je crois que c'est du bouillon de légumes, il me semble. Donc peut-être de bœuf, du curry un petit peu, et puis du sel de céleri pour saler. Et puis voilà. Si vous regardez attentivement, on peut voir le petit Mont Blanc juste là-bas. Ça c'est stylé. On repart. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. L'objectif maintenant, je dois descendre la colline. Atteindre ici le flanc de montagne, la crête un petit peu. Suivre la crête, 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 suivre, on y va, on y va, on y va, on y va. Et le but c'est d'aller vraiment au bout de la crête, vraiment au bout, de redescendre un petit peu et c'est là que je dors. Donc je vous cache pas qu'en termes de timing, actuellement c'est 13h pile, donc il va falloir un petit peu carburer. En plus il faut que je m'arrête du coup pour me recharger en eau, parce que là j'ai gaspillé un petit peu d'eau pour cuisiner, j'ai bu aussi bien évidemment. En tout cas écoutez, la vue est toujours aussi somptueuse. Non mais franchement regardez-moi ça, le fameux plateau d'Ambel. Et si, alors là je vous ai montré tout à l'heure, il y a le Mont Blanc. Et alors si je me trompe pas, ici, si je me trompe pas, hein, parce qu'il y a une autre montagne qui est là-bas, mais à mon avis c'est ça, ça doit être le Grand Vémont. Le Grand Vémont c'est la montagne la plus haute du Vercors, qui est, bah, comme vous voyez, qui est encore enneigée. Et après au niveau de l'orientation, vous avez les trois becs là-bas, et alors vraiment très très loin là-bas, ça m'étonnerait que vous puissiez le voir, c'est le Pila. Je vais officiellement pénétrer le territoire du plateau d'Ambel parce que j'étais pas complètement, j'étais vraiment sur la bordure. Et ben je vous montre. Donc on est ici nous. Le but ça va être vraiment de suivre en fait toute la crête de la montagne. Donc à refaire, ça va monter, descendre, hein.
Je pense qu'il y en a qui connaissent ici. Voilà. Là, je vais vraiment passer encore par l'extérieur. Je vais pas suivre le tracé rouge et blanc. Je vais continuer vers l'extérieur, comme ça. Une fois arrivé là, déjà ça me fera de la route. Je vais repartir ici. Et c'est ici que je dors, au refuge de Tubané. Le seul problème, c'est qu'ici, il n'y a pas de point d'eau. Le point d'eau, il se trouve à 3 km, donc ça va être par là, je pense. Même peut-être plus haut. Donc c'est pour ça qu'impérativement, il va falloir que je trouve une solution et que je trouve de l'eau. Mais normalement, il doit y en avoir par là, dans cette zone-là. Donc je vais tout faire pour trouver de l'eau. Je crois qu'on approche de la source, de la Selle. Je crois que c'est la petite maisonnette qui est derrière, que là, vous arrivez peut-être plus à voir. Il y a deux petites maisonnettes là. Et à mon avis, la source doit être à côté. Je vous avoue, ça va me faire plaisir de repartir en eau parce que les réserves sont assez basses. Sachant que le Vercors est réputé pour n'avoir que très peu d'eau. C'est pour ça que si je tombe dessus, remplir mes gourdes, ça m'aiderait bien, je vous avoue. Bon, je suis arrivé à un endroit, aux petites cabanes là. Je vois qu'il y a un robinet, mais ça m'a l'air un peu trop simple quand même. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, ok. Regardez le robinet. Regardez le robinet. Oh putain, les boules. Mon dieu. Les maisons sont là. Je suis descendu un petit peu. Regardez ce qui m'attend. Le débit est très faible. Allez, on va remplir les gourdes. Voilà, tranquillement, je suis en train de rejoindre le chemin principal. Là, on peut voir la montagne où j'étais tout à l'heure. Alors, malheureusement, j'ai pas le nom. Et là, voilà, je suis en train de remonter. Et après, ça va se poursuivre là-bas. Du coup, et puis faire tout le grand tour, en fait. Après, à mon avis, une fois que je serai en haut, la progression sera super simple. Alors, je continue d'avancer. Étonnamment, j'ai une plutôt bonne cadence. Je suis parti à 13h de la montagne là-haut. À 13h. Sachant que je me suis arrêté pour aller prendre mon eau, donc j'ai dû faire demi-tour, revenir, tout ça. Il est 14h, donc j'ai mis une heure pour faire de ça à ça en descendant en bas, en remontant, tout ça. Et je suis à peu près au quart du plateau. A savoir que le milieu, c'est la tête de la dame, il me semble. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Tout le plateau d'Ambelle. C'est magnifique. Avec là-bas, pareil, la montagne que j'ai laissée tout à l'heure. Et là, si on s'avance un peu. Là, bon, c'est autre chose, hein. Là, on n'est pas sur plateau, là c'est plus en vallée. Mais c'est super beau quoi. Ça fait un peu carte postale. Voilà, je viens de quitter la tête de la dame. J'aurais bien voulu filmer quelque chose, mais malheureusement, il y avait vraiment trop de monde. Et bon, j'ai pas envie de déranger non plus les gens. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de redescendre. Du coup, la tête était en haut. Alors, peut-être sur la vidéo, on dirait que c'est plat, mais pas du tout. Là du coup je viens de redescendre et je vais continuer ici. De là-bas je vais essayer de balancer mon drone, mais je suis pas sûr parce qu'il y a beaucoup de vent. Il y a 2-3, on dirait des vautours un peu. Je me dis drone vautour, ça fait peut-être pas bon ménage. Donc je vais voir, de toute façon là j'y suis bientôt. C'est que de la descente et c'est vraiment sur du plat. Donc c'est pas des chemins escarpés avec des cailloux et tout. C'est vraiment de la pelouse quoi. Donc c'est hyper agréable de marcher sur ça. Ça défonce beaucoup moins les genoux. En face, il y a le pic sur lequel je vais essayer de balancer mon drone. Et ensuite, je vais suivre vraiment tout le flanc, en fait. Je vais suivre tout le flanc. Et c'est à peu près jusqu'à là-bas. C'est pas tout au fond. C'est un tout petit peu avant. Et ensuite, je vais redescendre un petit peu dans la forêt. Et après, j'aurai le refuge. Donc au final, je vais arriver grave en avance. Franchement, j'aurais pas pensé. Là, il y a du vent. Le vent, c'est vraiment levé, là. Il me semble que ce matin, je vous ai dit que c'était une journée particulièrement chaude aujourd'hui. Enfin, ces deux jours-là, ce samedi et dimanche, aujourd'hui et demain, quoi. Et ben, je suis en train de le payer sa mère parce que, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de crème solaire, bien évidemment. Je me suis dit, non, mais ça va le faire. J'ai cramé, mais un truc de malade. Super mal au coup de soleil et je suis pas du tout quelqu'un qui craint. Mais là, en fait, le problème, c'est ça. C'est tout là. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, il n'y a pas d'ombre. La seule ombre que je fais, c'est la mienne. Donc, franchement, waouh. Je m'attendais pas à ce que ça y fasse autant chaud, en fait. Ah, bon. Petit accident, là. Petit souci. Quoi qu'il en soit, nous, c'est là qu'on va.
refuge de Tubané. Sauf que moi, j'y vais pas là maintenant tout de suite. Donc j'ai pas 3 km 8, je vais beaucoup plus loin et je reviens sur le refuge. Mais en tout cas, c'est là, c'est ce soir qu'on passe la nuit. Enfin, c'est... Putain, j'arrive pas à parler. Merde. C'est là-bas qu'on passe la nuit. À savoir que il y a plus aucune source que je vais croiser jusqu'au refuge. Il n'y a même pas de rivière, rien. Rien du tout. Il faut que je garde un maximum d'eau en fait. Là maintenant, je peux plus trop me permettre de boire à volonté. Regardez-moi ce chemin de Prince. Bon, c'est en montée, mais c'est de la pelouse. Ça fait tellement du bien aux genoux. Et donc là, du coup, c'est le roc de Toulaud. Je me suis renseigné. Enfin, je me suis renseigné. J'ai regardé sur une carte hygiène. La pelouse. Magnifique. Frérot. Pourquoi tu cours? On a le terme, on a le terme. Tranquille. En plus, il a un gros sac de fou. Apparemment, il y a une bergerie ici. Du coup, il faut contourner. Il faut rentrer dans l'enclos. Bah, c'est là où, l'été où il y a tout le pâturage. Ah, les amis, c'est une putain de blague. En fait, au loin, à chaque fois, je vois des arbres comme ça. Et au loin, je me dis, bah cool, je vais pouvoir aller dessous pour manger. Mais en fait, regardez. Je sais pas si vous allez voir, mais les arbres sont en bordure de falaise. En fait, il n'y a pas d'ombre. C'est un désert ici. Donc c'est bien, mais à la longue, comme je vous dis, là, les coups de soleil, mais... Oh là 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 là. Affreux. Bon, j'ai trouvé un petit recoin à l'ombre. Tout petit... Enfin, tout petit, non, il est pas mal. Ça fait du bien d'avoir de l'ombre. Oh, je vous cache pas que là... Ah, le soleil, mais encore, on est au printemps. Heureusement qu'on n'est pas en plein été. Ou... Mais là, tu meurs, mais tu meurs. T'as de grandes chances que les sources, elles soient taries. Mais tu meurs 8 fois. Oula. Tu meurs 8 fois plus quoi. En vrai, physiquement, ça va. C'était vraiment au départ où c'était très très compliqué. Mais putain, j'ai une coupe de cheveux. C'est gérable, mais c'est vraiment le soleil là. Pas d'ombre en fait tout le long. Franchement, oh, j'ai les bras, mais. Waouh. S'il y avait de l'eau, je crois que je me jetterais dedans là. Je vais être tout collant ce soir et tout. Bon, après, c'est ça. Hein. Je vais boire un petit peu quand même parce que. Mine de, je perds de l'eau en fait, donc faut quand même équilibrer les choses. Bon alors, j'ai bien bien avancé. Je vais vous montrer un truc assez marrant. Alors, je sais pas si ça va se voir à la caméra. On voit que là-bas il y a un truc qui brille. Ça, c'est ce que c'est. C'est les cabanes. Là où j'ai pris mon eau. Vous voyez non? Là où j'ai pris, là où j'ai rempli ma gourde. Et ben c'était là-bas. Ça fait vraiment loin. Là. Là, je me rends vraiment compte. Donc là, je continue sur la crête devant moi. Là, vous la voyez, là. Bon. J'ai enfin rejoint le checkpoint, on va dire ça, qui m'indique que je dois descendre. Là, je suis déchiré, là. Je vous jure, je marche, je parle pas, je suis concentré. C'est pour ça que là, j'ai pas trop filmé. J'ai les épaules en feu, les pieds pareils. Mais tout ça, c'est rien à comparer de ce putain de soleil qui est encore putain de haut. Donc ça veut dire qu'il n'est pas prêt d'être couché. Si vous comptez faire les plateaux d'Ambelle l'été, mais même au printemps, là je suis au printemps, prenez de la crème solaire. Vous me... Qu'est-ce que c'est que ce chemin hein? Il n'y a pas de chemin. Je suis en train de vous parler et... Ah mais ça c'est le... Si, là il y a un chemin. Là. Ah, si.
Je suis en train de vriller là. Et je vais avoir des. Il y a des mirages là qui vont se créer bientôt. Ah, une chaleur, mais. Je vous montrerai une fois arrivé au refuge. Oh, j'ai les bras, mais rouges, mais. Oh, c'est incroyable. Bon, je me suis arrêté un petit moment à l'ombre. Enfin, à l'ombre. Vous voyez qu'il y a encore du soleil sur ma gueule. Il n'y a pas d'ombre en fait. Les arbres, regardez les arbres. Il n'y a aucune feuille sur les arbres. Oh mon dieu. Ça fait depuis 11h. 10... Ouais, 10h. 10h que je suis en plein soleil. Sans arbre. Zéro arbre. Que je peux pas trop voir. Ah là là, c'est une torture ce truc. Bon allez, là je me suis arrêté une bonne vingtaine de minutes quand même. Donc là je vais repartir, on va remettre le sac sur le dos. Là je sais que je vais avoir le soleil en pleine face. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Je vais avoir le soleil en pleine face pendant un petit moment quand même. Allez les amis, on y est bientôt. Il reste combien de temps? 200 mètres. Allez, c'est parti pour 200 mètres. Et c'est officiellement la fin de journée. Là, regardez, je commence à rentrer dans les sous-bois un peu. Oh mon Dieu, merci mon Dieu. Ah, de l'ombre, de l'ombre. Mais attendez, je vais essayer d'enlever ma montre. On va voir. Je sais pas, même là en fait. Ouais, là, ça se voit. Oh ouais, si ça se voit. Le petit vanille fraise là. Même là, regardez. Franchement, j'ai. Mais là, ça se voit vraiment là. Putain, j'ai cramé, mais c'est fou. Il est exactement 21h. Je vais aller me coucher pour essayer de me lever tôt demain. Et je serai à ma voiture. De toute façon, demain, j'ai quoi, 9 km à faire. 9 à peu près. Donc, au final, c'est bon. Il fait encore plus froid que tout à l'heure. Je me suis mis dans mon duvet et là, je ne bouge plus. Je ne sors plus jusqu'à demain. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Il y a quelque chose dehors. Il y a eu comme un bruit à côté de ma tente. J'ai poussé un tout petit grognement et le truc est parti direct. Et tous les oiseaux se sont tus.
je pense. Yes. Les amis, le sac est fait, le camp est levé, tout est prêt. Il est actuellement 6h20, j'ai levé les yeux à 5h et pas moyen de m'endormir. Il n'a pas fait froid du tout dans la nuit, au contraire, avec mes coups de soleil, j'ai transpiré. J'ai passé une nuit un petit peu de merde. On se motive, je vais essayer d'atteindre une source qui est pas loin d'ici, parce que là en eau, en cuisinant hier, en buvant un petit peu dans la nuit, un petit peu ce matin, un petit peu hier soir, là je suis pas sec mais pas loin. Allez les amis, on y va. Bon, il y a un petit contretemps. Je devais repasser du coup là-dedans, là sur le plateau. Le problème, c'est que toutes les barrières sont fermées. Celle-ci, elle est fermée. Celle-ci, elle est fermée. Et je sais pas pourquoi, mais c'est bien cadenassé, bien comme il faut. Donc à mon avis, il faut éviter d'y aller. J'ai trouvé un autre chemin sur ma carte et je vais passer par là en fait. Ça fait chier parce que c'était le chemin de la source. Bon, écoutez, tant pis, on va quand même faire avec. Regardez, je suis pas fou, j'ai rebougé là-bas. Regardez-moi ça. Je pense que ça, c'est un endroit, même un moment que je risque pas d'oublier. Et je suis content de... Oh, mais il y a un animal là-bas, mais je vois juste sa silhouette, c'est magnifique. C'est un moment que je risque pas d'oublier, je suis content de l'immortaliser parce que je le reverrai dans plusieurs années, je me souviendrai de ce moment-là, à cet endroit-là, avec autant de trucs là. Regardez le ciel qui est magnifique. Un bleu un peu pastel, un rose pastel là-bas. Petite brise qui me rafraîchit. J'ai l'impression d'être seul au monde, personne à part moi et les animaux. C'est idyllique comme endroit. C'est magnifique. Bon, alors du coup, je continue de progresser. Là devant, vous avez, si je me trompe pas, la ferme d'Ambel. Là, vous avez le roc de Toulouse, c'est la montagne de laquelle je suis monté hier. Je sais que là-bas, il y a une source d'eau. Malheureusement, moi, je dois aller complètement là-bas. Et je sais que là-bas il y a une fontaine d'eau, si elle est pas tarie. Donc ce que je vais faire, je vais pas aller à la fontaine qui est en face de moi, ça va me faire perdre un petit peu de temps. Donc au lieu de ça, je vais prendre mon mal en patience, attendre un tout petit peu et marcher sur le chemin que je dois prendre de base pour éviter les allers-retours. J'ai reconnu au bruit. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Hop. Ah, merci mon Dieu quoi. Merci mon Dieu. Elle est super fraîche en plus. Il doit me rester moins de 4. Je pense qu'il doit me rester 3,5 km, 3. Pas mal, non? C'est français. Alors les amis, on va aller découvrir. Oh, c'est un petit tunnel. C'est très sympa. Très 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 sympa. Bon, et bien écoutez, je suis bientôt arrivé à ma voiture. Allez, en contrebas là-bas, là, dans la forêt.
C'est bientôt la fin de cette petite aventure. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'était super. C'était assez éprouvant physiquement. Là, je porte des chaussures que j'avais jamais portées. Donc, c'était l'occasion de les casser un petit peu. Et très honnêtement, j'ai super mal depuis le début. Mais c'est un enfer. Mais voilà, de toute façon, il faut passer par là. Allez, on se retrouve à la voiture. J'en peux plus là, je suis mort. Le final, une descente de malade. Du coup, j'ai tout fait pour pas glisser ou quoi. C'est la douleur au pied en fait qui me fait mal. Enfin, c'est la douleur au pied qui est. C'est la douleur au pied qui est le plus insupportable là, honnêtement. Hier, ça allait super. Et là, je sais pas, on dirait que j'ai débloqué une nouvelle douleur et c'est atroce quoi. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, de ce petit trek. J'espère que vous l'avez apprécié, que je vous ai fait découvrir ou peut-être même redécouvrir le plateau d'Ambel. Je vous mettrai de toute façon le tracé dans la description, comme ça vous aurez tous les détails. Et puis écoutez, bah moi il me reste plus qu'à mettre le paquetage dans la voiture et à retourner chez moi, prendre une bonne douche parce que là je suinte, je colle. Bref, les amis, c'était Léo. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.